que la forme fine, moi, ça ne me semblait pas correspondre à l'espace de la coordination, parce que le film, ça appartenait à une logique d'auteur, et qu'on peut très bien faire des films d'auteur en dehors d'un espace politique, mais dans un espace de lutte, c'était beaucoup plus difficile d'avoir une logique qui soit une logique d'auteur. Ce qui explique en grande partie, je pense, tous les problèmes qu'il y a eu autour des films qui ont été produits comme ça, c'est-à-dire à partir de gens qui faisaient un film eux-mêmes, qui, en utilisant les images, étaient produits collectivement. Par contre, fabriquer un dispositif qui appartient à tout le monde, dans lequel tout le monde puisse entrer, pour parler d'un certain nombre de thématiques, pour ensuite projeter le produit de ce dispositif devant l'Assemblée Générale, ça me semblait ça plus correspondre à un espace comme celui de la coordination, c'est-à-dire un dispositif qui permette non pas de fabriquer une forme de représentation du mouvement, comme des films qu'on a pu voir, c'est-à-dire des séries d'actions montées les unes derrière les autres, mais qui permettent de fabriquer un espace plutôt de constitution du collectif, où le collectif s'énonce dans ce qu'il est, dans son existence, dans ses trajectoires, dans son rapport à la coordination. C'était plus adapté, d'une certaine manière réellement politique, beaucoup plus politique qu'un film qui prétend lui-même parler directement sous forme spectaculaire de politique sous ses formes archétypiques, quoi, c'est-à-dire en filmant, en montant des actions, en faisant des films d'agitation. Voilà. Non, mais c'est par rapport à l'objet. On va discuter, vous me pétez la gueule. Par rapport à l'objet politique, la fabrication, on disait donc de faire un film, mais est-ce que ça suffit, comme objet politique Bon, en fin de compte, je pense à la difficulté que je peux avoir maintenant, depuis. Depuis 7 mois, là, depuis le début de la corde, d'aller à un spectacle, d'aller voir un film, j'ai tout de suite envie, le cinéma c'est un peu plus difficile, mais le théâtre, j'ai envie immédiatement de monter sur la scène, enfin qu'il y ait, plutôt qu'on s'arrête de jouer, qu'on se mette à discuter de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on aurait pu faire, de ce qu'on fait pas, d'autres choses, de ce qui se passe en ce moment, et puis se remettre à jouer, et puis de s'arrêter à nouveau, et puis, etc. Et j'ai l'impression que c'est là que ça ferait, qu'il y aurait vraiment du politique. Peut-être pareil, effectivement, au cinéma, d'arrêter la projection et de se mettre à discuter soit du film qu'on est en train de regarder, soit d'autres choses. Et par rapport à un film qui serait fait en tant que, enfin avec une intention politique, ou en tant qu'objet politique, comme par exemple des déambulations, une fois que c'est fait, enfin à projeter quelqu'un, j'ai l'impression que ça reste un document, enfin ça reste une partie, quoi. Peut-être qu'un truc politique, c'est quelque chose qui doit tout le temps être qui doit être complété, ou qui doit être remis en question, discuté, ou en tout cas prétexte à autre chose que juste la consommation de ce truc politique. De mettre en place un processus qui fasse que ce soit de la pensée qui circule. Moi, je voudrais dire, je sais pas, il y a un rapport qui me vient à l'esprit, c'est que, comment est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, un corps qui serait complètement allergique à la télévision, ou à ces formes je pense qu'en fait, quand les gens dans l'AG disent, il y a des gens qui disent, il n'y a aucun rapport entre l'esthétique et la politique. D'un côté, on fait de la politique, c'est-à-dire on décide d'action, et de l'autre côté, on fait des films. En fait, ils ne se rendent pas compte que, en fait, c'est impossible de faire
de faire l'un sans l'autre. Je pense que si la télévision elle est comme ça, ça fonctionne comme ça, c'est de l'autre côté, ça renvoie sans doute à ce que font les gens comme travail dans la société. Cette télé, elle ressemble exactement au travail qu'il y a dans l'entreprise. Et on ne peut pas comprendre la télévision, ce qu'on voit, sans se dire que c'est pas simplement le reflet, c'est que l'un et l'autre, le travail d'entreprise dans la culture ou ailleurs, est complètement homogène avec par exemple la télé-réalité, avec les JT, avec les publicités. Et on ne peut pas donc séparer l'un de l'autre. Comme dans la coordination, il me semble qu'on ne peut pas séparer la manière de penser comment on va filmer de la pratique de la coordination, d'une pratique complètement démocratique, ouverte, intégrant chacun, et qu'en vidéo, on devrait pouvoir réussir la même chose, c'est-à-dire fabriquer des dispositifs où tout le monde puisse entrer, où on puisse interactivement parler de ces questions et construire des arborescences et essayer collectivement d'inventer, de réfléchir, voilà. Parmi des histoires de consommation et de passivité, en fait, tout à l'heure, Juliette, tu définissais un objet de lutte ou un objet politique comme quelque chose, la pensée qui circule, ou Danos, il parlait de quelque chose qui est incomplet et qui existe surtout après la projection et par ce qu'on en dit et par ce qui manque. Alors que souvent, plutôt, on a plutôt l'habitude d'objets de consommation, c'est-à-dire qu'ils sont plaisants pendant la projection et après ils disparaissent. La consommation, c'est ça, c'est le fait de consommer détruit la chose. En politique, c'est un peu pareil. Les processus en politique, j'ai l'impression que c'est essentiellement voté, on met son bulletin et après c'est fini, et à la fin de la manif, les poubelles passent après, c'est pareil. Et j'ai surtout l'impression que c'est les problèmes qu'on rencontre souvent par rapport au cinétract ou même à imposer des actions plutôt que des modes d'intervention politique habituels, c'est que, en fait, ouais, c'est le rapport à la consommation. C'est difficile de manier des trucs ouverts ou pas finis parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'en fait, il n'y a pas d'opposition politique-esthétique. Que comment tu définissais un objet politique, il y en a d'autres, l'œuvre d'art, ils la définissent comme ça, quelque chose qui circule, qui est incomplet, qui existe par le partage. Alors que justement, il n'y a plus tellement ni d'objet politique, ni d'objet esthétique, en fait. Il n'y a que des objets de consommation. L'opposition n'est pas politique-esthétique, elle serait opposition action ou création ouverte et objet manufacturé qu'on reçoit tel quel. Je ne sais pas comment dire. Ouais, pour moi, ça serait par rapport à ce que tu es en train de dire, ça serait la question de, pas de la consommation, mais de l'expérience. Quel type d'expérience on fait par rapport à ce qu'on fabrique, à comment c'est reçu, et qu'est-ce qui se partage? Quel est le lieu le point de partage? De quoi fait-on l'expérience, en fait? Et ce qui est volé, enfin, ce qui devient consommation, c'est quand il n'y a plus d'expérience. Il y a quelque chose qui n'agit plus. Même si, dans un tout autre contexte, je suis sûre qu'il y a des objets ou des films qui peuvent être présentés dans certains contextes et être agissants parce que quelque chose a préparé à la venue ou à l'accueil possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on accueille? Quelles sont les conditions d'accueil, d'hospitalité qu'on crée pour des films, des pièces? Après, je ne sais pas ce qui est politique. C'est qu'est-ce qui a la capacité, un objet politique, quelle capacité il aurait de transformer quelque chose. Pas simplement pour justement pas dans la contestation immédiate, mais une capacité réelle de bouger quelque chose. Et je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça en voyant des films, en regardant des pièces, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui nous a à un moment transformé. Et cette importance-là, pour moi, elle existe toujours. Sauf que les lieux dans lesquels on fabrique des choses qui ont encore des formes d'importance sont ramenés à l'objet de consommation parce que tout le contexte dans lequel on arrive, il est de plus
plus en plus resserré, institutionnalisé, avec le même type de public, quelque chose ne se régénère pas, donc il n'y a pas expérience. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est plus partageable. Et c'est cette coupure-là. Et comme disait Fred tout à l'heure, c'est effectivement, en ce moment, quand on reprend le travail, on n'aurait pas envie de faire ce qu'on fait d'habitude, on aurait envie d'arrêter ou de parler, et puis en même temps, peut-être que ça aurait toutes ses limites, mais il y a quelque chose qu'on aimerait bouleverser dans le champ de l'expérience possible, quoi. De, même si c'est des questions qu'on se posait bien avant cette lutte, elles sont présentes depuis, pour certains, un certain nombre d'années, dans tout ce qu'on fabrique. Mais je crois que si cette lutte, elle arrive à ce moment-là aussi, c'est parce qu'on est, parce que cette, et c'est marrant, parce que c'est ici quelque chose dont on a du mal à parler, c'est précisément parce que quelque chose s'est refermé dans ce lieu d'expérience, y compris ce qu'on fabrique, n'agit plus. Donc politiquement, il y a quelque chose qui s'est clos sur l'humain, mais effectivement, on peut dire des textes extrêmement engagés, on peut fabriquer tout un tas de trucs sans que ça transforme nos capacités réelles à transformer le monde. Même si c'est pas direct, tu sors pas d'un truc et tu dis « Ah ouais, j'ai changé ça », mais c'est des transformations lentes auxquelles on peut quand même continuer un peu à espérer et croire. Enfin, pour moi, c'est ça un objet politique, mais sauf que d'où l'importance des lieux dans lesquels on fabrique et les gens avec qui on fabrique et comment on fabrique, parce que le comment on fait, il est tout à fait consubstantiel de comment ça sera partageable ou non. Et les comment, ils sont de plus en plus resserrés, parce qu'on demande à un metteur en scène d'assurer le truc, à un éditeur, et les rôles sont de plus en plus distribués, répartis, et donc même l'expérience collective qui pourrait avoir lieu n'a pas lieu. Quelque chose est clos parce qu'on est tous assignés à un poste. Ok. Bon bah là, on est dans un des centres mondiaux de l'audiovisuel, de l'industrie culturelle. C'est à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Non, c'est à la Plaine Saint-Denis, pardon, à côté d'Aubervilliers. C'est à la Plaine Saint-Denis. Et c'est là que sont réunies une grande partie des productions et des studios télé de France, du paysage audiovisuel français. C'est là qu'il y a Arthur, qu'il y a plein d'émissions, Carrère, qu'il y a plein de trucs. Et bah, en fin de compte, c'est une des usines des intermittents du spectacle. C'est là que sont fabriqués beaucoup de produits culturels. Alors, ça fonctionne avec un groupe d'emplois permanents. Hein. Il y a comme ça un noyau d'emplois permanents. Et puis autour gravitent plein d'emplois beaucoup plus précaires, discontinus. C'est-à-dire que pour une émission ou pour un tournage, on va appeler des gens. Quelquefois, on les appelle un peu au dernier moment pour des périodes qui ne sont pas vraiment définies. Et puis, donc de l'aléatoire. Alors jusqu'à maintenant, il y avait un régime qui palliait à cet aléatoire, mais il y a une réforme, là, il y a un an et demi, il y a une réforme qui tente à détruire ce régime. Au moment où ces pratiques d'emploi sont appliquées dans d'autres secteurs industriels. Donc là, on est vraiment dans de l'industrie, quoi. Hein. Ça, c'est notre usine. Ça, c'est une de nos usines. Alors cette usine, c'est un immense pôle. Là, il y a les gens pour tourner, il y a les gens pour louer le matériel, il y a les gens pour créer les émissions, il y a les gens pour les monter, il y a les gens pour les diffuser. Et donc le problème, quand il y a un conflit comme autour d'une réforme, comme pour les intermittents, comment faire pression sur notre lieu de travail. C'est quoi notre lieu de travail? Parce que donc nous, on n'a pas un atelier donné, on n'a pas un site de travail, on travaille sur plusieurs endroits, dans plusieurs studios, à des périodes différentes, avec des gens différents. Alors comment mobiliser tous ces gens, comment faire des actions ici, par exemple.
Alors on a fait une action ici, c'était il y a environ un an, c'est-à-dire c'était en octobre 2003. Et le but de l'action, c'était bloquer un tournage, bloquer un direct. Et le direct, c'était Star Academy. Donc par rapport à cette histoire justement de production, de la façon dont les producteurs te mettent face à une sorte de conjoncture, voilà, l'histoire de la conjoncture, c'est assez drôle, c'est qu'ils te disent, bah oui, mais dans ces fameuses histoires, ils te font travailler 2 semaines, et puis les 2 autres semaines, ils font payer les ACDIC pour continuer à faire le même travail. En fait, ils te disent, oui, mais si on fait pas ça, la boîte ferme, si on fait pas ça, en ce moment, c'est la crise. Ils te remettent sur toi une espèce de responsabilité. Il faut que ça marche. Et je trouve que c'est exactement la même chose qui se passe de manière générale. C'est, en tout cas, moi, je suis né avec cette idée de c'est le chômage, c'est la crise. Donc, il faut accepter certaines conditions. Donc, il faut que la France s'en sorte, que l'Europe s'en sorte, machin. Et pour ça, bah, il faut travailler plus, il faut fermer sa bouche, machin, et cette espèce de te faire porter le chapeau, ou en tout cas te dire, pour qu'on s'en sorte tous, il faut que tu fasses ci, ça, dans telles conditions. Et à un moment, on se culpabilise, on se responsabilise en disant, c'est notre responsabilité de faire ça, d'être comme ça, et puis d'accepter. Et à un moment, moi là, en ce moment, justement, dans ces grosses boîtes où je suis intermittent, je discute beaucoup avec les permanents, et qui, eux, ont accepté, notamment le cas de la SFP, toujours, ont accepté il y a 2 ans, pendant la grève de France 3. La SFP a repris tous les plans, parce que France 3 était en grève pendant 2 mois. Ils ont repris tous les plans, et ils ont dit à leur permanent, mais vous inquiétez pas, là, on va travailler comme des malades, mais ça va se calmer. Alors, les mecs ont dit, bah oui, normal, la SFP vient d'être rachetée par le privé, il faut qu'elle s'en sorte, machin. Donc, tout le monde, d'un même élan, il va, limite, le point levé, en disant, allons-y, c'est génial. Et puis, au final, ils se retrouvent, 2 ans après, toujours la même chose, à travailler de la même façon, dans les mêmes conditions, à flux tendu, et à accepter ça. Et maintenant, ils gueulent, mais ils gueulent chacun indépendamment en plus, mais c'est un peu trop tard. C'est-à-dire qu'ils ont accepté en effet à un moment de se dire, pour le bien de la boîte, pour m'en sortir, pour la société, je vais accepter ça, ça et ça, et puis de toute façon, c'est pas moi qui vais changer les choses, et à un moment, voilà, tu t'es mis comme responsabilité ces choses-là. Alors qu'on sait très bien, c'est démontré, il y a des chiffres, etc., pour dire que toutes ces boîtes se font énormément d'argent. Cette flexibilité rapporte de l'argent, on le sait, tout le monde le sait. Les économistes, de manière générale, vous le diront. Donc pourquoi est-ce que ça rapporte de l'argent et que nous, on doit toujours en faire plus? Voilà, c'est un peu, moi je pense, question à laquelle faudrait répondre. Donc ici, c'est la possibilité, ici on peut faire un point sur des pratiques d'emploi et des pratiques de financement par rapport au régime des intermittents. Ici, dans l'audiovisuel, par exemple, les productions profitent de ce régime pour pouvoir financer leurs projets. À savoir, on va proposer à un technicien, on va lui proposer un boulot de 2 semaines, mais sur ces 2 semaines, on va lui payer 1 semaine, et l'autre semaine, en fin de compte, il va être indemnisé par les ACDIC. Alors on fait un arrangement avec lui pour qu'il ait assez d'heures, etc., qu'il puisse renouveler son statut, mais la moitié du truc est payée par les ACDIC. Alors que c'est des productions qui ont de l'argent. La télé, il y a énormément d'argent. Et ce n'est pas que des petites productions pour des petits projets. Mais ça peut être aussi des productions qui veulent vendre un projet à un gros diffuseur comme TF1, comme France 2, et qui ont besoin de réduire sur les marges, et donc qui vont essayer de tirer toutes les thunes qu'ils vont pouvoir dans tous les coins. Donc ça, c'est une pratique. Et ça, c'est un truc qui est tout à fait discutable. Il y a autre chose qui a été aussi mis en avant, c'était de dire, mais est-ce que la standardiste de TF1, être intermittente, est-ce que le statut d'intermittent, ça ne va pas être réservé aux artistes et aux techniciens de la production même? En fin de compte,
À partir du moment où quelqu'un bosse en discontinu, qu'il soit secrétaire ou qu'il soit comédien ou qu'il soit chef opérateur, on s'en fout. Le truc, il est en discontinu, donc il est indemnisé par rapport à cette pratique d'emploi. Si ensuite il est réalisateur mais qu'il bosse tous les jours dans la prod, il n'a pas besoin d'être intermittent, c'est évident. Donc voilà, au cœur du truc, il y a vraiment ces deux problèmes. Il y a un truc que je voulais rajouter qui est plus ou moins en rapport avec ça. C'est le rapport au temps pour l'employé, pour l'intermittent, pour celui qui est pour celui qui travaille en discontinu, pour celui qui a des emplois discontinus, pour celui qui a des périodes de travail et des périodes chômées qui alternent comme ça de façon aléatoire. Ces périodes chômées, elles peuvent être désignées comme des périodes d'angoisse, de recherche de travail, d'anxiété. Elles peuvent être aussi des périodes de liberté, de choix de vie qui sont soutenues par justement un régime d'indemnisation adéquat. Par exemple, le régime d'indemnisation des salariés intermittents du spectacle. Octobre 2003, un samedi, a priori fin de la semaine de la résistance, enfin de résistance pour en tout cas nous les intermittents. Donc une action est organisée pour aller sur un des endroits assez stratégiques au niveau justement des grosses productions audiovisuelles qui est la Star Academy. Donc voilà, on part d'une espèce de petit sapin et puis on y va. Donc on est ici donc à la Plaine Saint-Denis, donc cet endroit de grosses productions un peu partout ici, il y a toutes les grosses productions françaises qui ont leur studio ici. Voilà, donc le but étant de rentrer à l'intérieur, essayer de faire passer un message et puis ça c'était viser un peu cette grosse machine, remettre en question des choses, etc. Et ce qui, moi, m'a semblé très intéressant aussi dans ces actions et aussi dans celle-là, que ce soit France 2, la Starac, c'est un moment de dire, ça c'est possible, quoi. De dire à des gens qui avant étaient quand même assez engagés, toute cette génération qui était engagé et puis qui à un moment s'est dit non mais de toute façon maintenant c'est foutu, on peut plus rien faire, tout est figé, tout est rigide, et puis qui passent leur journée aussi devant la télévision, enfin leur journée en tout cas une grande partie du temps, puisque je crois que c'est 5 heures par jour en moyenne les Français, enfin bon, et puis à un moment de se dire ça c'est à un moment il est devant sa poste de télé puis il voit des jeunes gars ou des vieux, enfin des gens qui arrivent à un moment dans un lieu qui croyait inaccessible, de voir toujours les mêmes gens, toujours les mêmes trucs. Alors à un moment, à force de voir les mêmes, on se dit que personne ne peut y rentrer. En fait, c'est juste derrière une porte, une porte qui s'appelle, en l'occurrence là, Hall Technique B. Bah, juste derrière cette porte, il y a une espèce de gros direct qui fait des millions d'entrées, des millions de spectateurs. Voilà, un moment de se dire, nous on peut y aller, puis à un moment on peut dire que la télé c'est pas que du divertissement, il peut aussi se passer des choses, des revendications, et puis que c'est simplement que c'est possible, quoi, que tout n'est pas figé, et moi je trouve que c'est important tout ce qu'on a fait, enfin ce qui a été fait en tout cas dans cette direction. Ah putain. Sur l'action de la Starac, on nous a beaucoup critiqué en disant que le message n'était pas lisible, on ne savait pas pourquoi on est là, qu'on ne savait même pas mettre une banderole à l'endroit, que celui qui parlait, on était censé être des professionnels, il n'était pas du tout lisible. Mais c'est vrai qu'après cette action-là, on a beaucoup travaillé à essayer de produire des énoncés un peu plus clairs, à écrire des textes qui peuvent faire une minute, deux minutes, trois minutes en fonction de ce qu'on arrive à imposer. Mais à mon sens, le plus important, c'est pas tant de délivrer un message, parce que de toute façon, c'est assez noyé dans la télé, mais vraiment
ouais, de prouver du possible, de montrer effectivement que ces lieux qu'on voit tout le temps, mais qu'on a l'air tellement extérieur d'appartenir à un autre monde qu'on peut rentrer dans ces lieux, que souvent c'est derrière une porte glauque dans un studio tout petit avec des murs craquelés avant que la lumière en face de la télévision, et que c'est toujours possible de revenir dans ces lieux en fait. C'est une question de... Alors c'est un mot super galvaudé en ce moment qu'on utilise beaucoup, ce terme de réappropriation, mais en fait je crois que vraiment tout est là quoi. Il s'agit de rentrer dans ces univers qui nous appartiennent plus, bien que ce soit nos lieux de travail, et de montrer qu'on peut y changer les règles, que c'est chez nous, et qu'on peut imposer au moins un certain temps d'autres règles. Moi, il y avait un truc qui m'avait assez frappé dans une autre action médiatique, c'était quand on avait occupé e-télévision, où le DRH de Canal+ était venu, en fait. Tout ça pour dire en fait que dans une action, il y a un truc qui peut être intéressant qui n'était pas là à la Starac, mais c'est aussi la négociation. Dans ce cas-là, c'était le DRH de Canal+, donc un mec qui est habitué à parler à des foules, habitué à parler à des salariés, à les embrouiller. C'est quelqu'un qui... C'est des gens qui ont été à l'école de l'endormissement et qui peuvent parler de tout, qui sont assez forts. Et c'est vrai que dans des rapports d'individu à individu, en général, ils sont gagnants. Tandis que là, sur un plateau de tournage, il y avait toujours quelqu'un pour lui parler sur un terrain différent. Il était obligé de changer tout le temps. Ce n'était pas du tout les mêmes rapports que d'habitude. Et dans ce genre de cas, on arrive à inverser les rapports. Et enfin, c'est ça qui me semble intéressant. C'est comme dans la Starac, finalement. Ce qui est important, c'est au milieu de ce truc aux lumières roses, clinquantes, bleues, où tout est calibré, tout est maquillé, on rajoute de la musique dès qu'il y a un blanc, de réussir à créer une zone où le discours est un peu embrouillé, où la banderole est à l'envers, mais de réussir à créer ça, quoi, même temporairement. Ben, je voulais dire un truc à propos de tout de suite, à propos de maintenant, d'un sentiment que j'ai ici. Ce qu'on appelle le conflit des intermittents, c'est un truc qui a commencé il y a un an et demi, juin 2003, enfin le gros truc, hein, on va résumer. Donc le conflit des intermittents, c'est quelque chose qui a commencé il y a un an et demi, il y a eu de la grosse mobilisation pendant l'été 2003, puis ensuite ça a baissé, et puis là maintenant il reste des gens dans les syndicats et puis dans les coordinations pour suivre les choses, provoquer des choses, encore faire quelques actions, rencontrer les ministres, agir sur les enquêtes et sur les dispositifs que le gouvernement a mis en place pour étudier la chose, modifier la réforme, etc. Et puis là, donc, on est dans ce site industriel culturel. Et puis, on est là en train de parler d'action, en train d'essayer de parler de ça, de qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que ça pourrait être. C'est quoi faire une action, c'est quoi utiliser ces pratiques pour faire une action, c'est quoi faire une action à plusieurs, de ne pas avoir de leader, de déstabiliser les gens qu'on va voir. Alors quand ils veulent parler à un responsable, bah, il n'y a pas de responsable, c'est tout le monde, etc. Et puis pendant ce temps-là, bah, il y a des gens qui travaillent. Et bon, bah, très bien que des gens travaillent. Comment eux ils se positionnent par rapport à ça? Et surtout, est-ce que simplement ils pourraient comprendre ce qu'on dit? Là, ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un qui a occupé son atelier ou qui a occupé sa boîte, je pense peut comprendre ce qu'on raconte. Mais quelqu'un qui est pris dans cette espèce de tourbillon là, de l'audiovisuel ou du culturel, avec sa grande flexibilité, mais avec surtout des bons salaires, donc un niveau de vie, non pas élevé, mais je dirais un bon niveau de vie. Là, je vois les gens qui passent, ils ont tous, entre les bagnoles, les fringues, les motos, etc. Ça va, quoi. Ils ont un niveau de vie assez aisé.
assez aisé. Et comment ils pourraient combiner ça avec des nécessités de protection sociale, de droits sociaux, de droits collectifs. Comment on peut arriver à faire passer ça, à faire comprendre ça. Voilà. Ce qu'on fait là maintenant. Qui est-ce qui peut entendre là ce qu'on est en train de dire? Enfin, je pense pas mal de gens quand même. Hein.